Hello tout le monde, ça va? Parce que moi ça va pas trop là. 6h50. On va en concours aujourd'hui aussi. Parce que sinon cette vidéo n'aurait pas lieu. Olga, dis donc. Voilà. Je vais faire sortir mes petits animaux parce que tous les matins ils vont aux toilettes. Voilà, comme nous humains. Leur vessie est pleine, il faut qu'ils aillent faire le pipi du matin. C'est obligatoire. Hein, mon fils? On va faire pipi? Tu veux faire pipi? Oui! On va faire pipi. Et puis ils sont pressés, hein. Regardez-les, les pauvres. Je vous montre un peu ma matinée parce que c'est toujours la même, mais. Lui, il ne sort jamais faire le pipi du matin. Jamais. Il préfère rester au dodo. Faire le dodo. Parce que c'est un vieux cochonneau, hein. Un petit retraité. T'es retraité, toi, Winnie? Depuis quand? Voilà. Il reste au lit, donc. Voilà, je remets dans sa petite tanière et puis. Puis voilà. Alors, on va choisir la tenue. Franchement, je sais toujours pas quoi mettre. Quel problème là-haut. Oui, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. C'est un nouveau. Si j'arrive à l'attraper. Et je vais en prendre un deuxième au cas où. Genre, je sais pas pourquoi, mais genre mes copines elles en prennent toujours deux et c'est vrai que moi j'oublie jamais, enfin j'en prends jamais deux, donc là j'en prends deux. Et alors en polo, vu que j'ai un tapis gris avec des paillettes comme ça, je vais prendre ce polo. Voilà. Il faudrait que je m'achète en noir, mais du coup, pour l'instant je vais être celui-là. Du coup aujourd'hui on sort en prépa 80 club 2, parce qu'on a changé, on devait aller à... On devait aller à Brie, puis au final on va au Treuil. Donc cool, il y a des prépas, j'en ai, enfin je voulais, c'était un peu chiant en fait, club 3. Bon après il fallait commencer par là avec la jument et moi, hein, comme ça on peut se mettre en confiance et tout, mais c'est vrai que s'il y avait eu une prépa à Brie, ça aurait été bien. Mais du coup là il y a une prépa 80, donc on va faire prépa 80 club 2, puis on va prier pour que ça se passe bien. Bon, il n'y a pas de raison, hein, ça devrait aller franchement, mais bon, on sait jamais. Puis voilà. D'ailleurs, bon, je sais pas si c'est possible, hein. Vraiment, je ne pense pas. Ou alors, ce sera dans une qualité pas ouf. Mais j'ai acheté la Vallée d'Emeraude, Horse Tales, sur la Switch. Donc, je sais pas comment on peut faire un truc d'écran. Mais du coup, voilà, genre, je voulais le dire. Alors, je serais pas désespérée parce que je suis une gameuse dans ma vie. Mais je suis pas une gameuse sur YouTube. Mais genre, si vous voulez... je sais pas, peut-être des lives, ah oui, voilà, des lives TikTok ou alors des lives, peut-être, je sais pas si je peux faire des lives YouTube ou peut-être des lives Insta sur Horse Tales. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, l'histoire genre de une heure de petits jeux, je sais pas quand, hein, je sais pas encore, mais si ça vous intéresse, dites-moi et dites-moi la plateforme où vous aimeriez le plus, puis voilà, au pire je ferai un sondage et vous me direz là-bas. Allez, on va charger. Donc il y a son nouveau petit Nicole Kentucky avec les petites paillettes, ses nouvelles bandes de Kentucky de repos. Elle est incroyable, je l'aime vraiment. Ça y est, on a chargé les chevaux, franchement putain divine, un pur bonheur à monter, même toute seule. Elle est géniale, elle ne bouge plus, elle bouffe son foin, je l'aime, vraiment c'est fou. Sinon du coup voilà, on a chargé, là on va partir. Et puis voilà, après on se retrouvera une fois arrivé là-bas et... Et ainsi de suite quoi. Regardez qui c'est qui conduit là. Je suis pas sûre de continuer ce vlog hein, du coup hein, on sait jamais mais. Ah ça va, t'inquiète, tu me débrouilles. On est arrivé. On garde je sais pas où là. Mais bon. Alors du coup j'ai un polo, je sais pas d'où il vient. Ma veste c'est une montard. Mon pantalon, je sais pas comment faire. Pantalon c'est un horse pilote. Et j'ai mes bottes, je sais pas quelle marque c'est. Et j'ai des chaussettes Kentucky. Et Divine, elle a un tapis unicorn avec le bonnet. Comme ça. Voilà. I
voilà, on a fini. Résumé, parce que du coup, je vous ai pas fait de résumé entre ma prépa et ma club 2. Génial. Super, à part sur la prépa où elle a eu peur un peu du coup de la des petites pancartes, mais sinon top, genre vraiment c'était génial. Elle m'a bien tractée, j'ai bien décédé au niveau des bras, mais sinon c'était vraiment top. Regardez-moi la petite belette, tu la oui. Et aussi donc pour la club 2, pareil, nickel. Du coup elle a eu moins peur que ton précédent, parce que du coup elle connaissait la piste. Pareil, bon, il va falloir qu'on travaille le tractage parce qu'elle tracte beaucoup trop. Et puis pour la remettre en place, vu qu'elle a un mort simple, c'est un peu compliqué, mais du coup, ça je laisse ma coach gérer son truc là, voilà. Mais sinon, top, genre vraiment. Et à la fin, je sais pas s'il a continué à filmer, mais c'était Bagdad. Elle tracée, j'étais obligée de faire au moins deux cercles pour la détendre un peu, parce que sinon elle était à fond, elle. Hein. Elle était partie, hein. Ah nounouille, t'as kiffé? Ah oui, t'aimes trop les concours. Oh là là. Bon voilà, vraiment une journée au top. Et donc en prépa on a fait sans faute, et en club on a fait sans faute, donc c'est génial, c'est trop bien, genre c'est grave en bonne voie, et c'est que du bonheur, donc voilà. Du coup bah, je vais arrêter le vlog là parce qu'après je vais bander, enfin c'est comme d'hab quoi. Donc écoutez, bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et puis voilà, on se retrouve je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas s'il y a encore des concours et si j'en ferai encore avant la pause hivernale, donc il y aura peut-être des challenges, je ne sais pas, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine.